L'action de la blessure, c'est une action pas trop, tu sais, compliquée. C'est un appel et contre-appel que j'ai fait. Et quand j'ai voulu partir, j'ai fait le mouvement avec la chambre comme ça. Et là, je sens un peu ici. Pero lo bloqueo aquí, aquí no trabaja nada. Trabaja, sí, señor. No, ¿cómo no bloquea? Comment c'est arrivé, toi, la blessure à la hanche, c'est une blessure particulière? Je pense que c'est classique, une blessure classique. Mais j'ai regardé Abdou, qu'il a levé la tête pour mettre le ballon. Et j'ai fait appel contre appel, poum, poum, pour partir. Et quand j'ai fait le mouvement avec la chambre, comme ça, avec l'hanche, je n'ai pas compris si c'est l'obsoas, si c'est le tendon, si c'est l'adducteur. Mais comme ça, c'est ce qui s'est passé. C'est quoi ton programme? Tu fais des soins? Tu vas en salle aussi un peu? Oui, maintenant, aujourd'hui, nous commençons à descendre. On est la salle, à faire un peu de piscine et un peu de travail. On va voir comment ça passe. Ok, okay, c'est bon. Merci. Allez. Et pour ça que, comme je dis, tu apprends à avoir un peu de la patience, tu sais, et ok, et comprendre que ça peut arriver dans la vie, des moments comme ça, tu sais, que quand tu es un sportif, que tu veux tout le temps être là, jouer et compétre, et tu sens mal un jour, une semaine, deux semaines, que toi encore tu es pas bien, tu sais, tu es pas confortable, et voilà, c'est ça que tu sens un peu, mais ça aussi, c'est, comme j'ai dit avant, quelque chose qui te fait apprendre, non? Alors, tu prends ça aussi pour travailler, tu sais, quelque chose que tu peux travailler un peu dans la tête, pour revenir plus fort, tu sais, et pour avoir la patience pour attendre et revenir encore plus fort d'avant. Y ahora, eso, y eso, dos, tres.
bien. Relax. Perfecto. Dois, perfecto. Muy bien, descansa. Toca e sai. Perfecto. Controla, controla. Dale, ey. Sale acá. Para. Perfecto. Dale, ey. Muy bien. Lanza eso. La parte final. Perfecto. El volumen, la recuperación. Manadilla libre es importante para recuperación. Se, que se quede completo. Una vuelta. J'ai parlé avec les coachs, avec le staff médical et tout, que j'ai beaucoup envie, tu sais, de revenir, de jouer, de retourner. Mais parfois, quand tu es pas libre, tu sais, ça va dire que le corps, il te dit que c'est un peu sensible, tu sais. Et c'est un peu pour ça que j'ai parlé. Même je m'entraînais avec l'équipe, mais si tu regardes les entraînements, je suis beaucoup plus libre qu'avant. Et je pense que nous avons fait une bonne décision, nous avons pris une bonne décision tous de rester là. Aujourd'hui, on t'a vu à l'entraînement, t'étais bien, t'as marqué des buts, t'as couru, on t'a senti libéré. Oui, un peu, oui. Beaucoup, beaucoup plus libre. Beaucoup, sincèrement, beaucoup, beaucoup plus libre. Très content, je peux voir l'entraînement d'aujourd'hui. J'étais content de ça. Nous restons concentrés ces deux jours de trêve pour travailler, pour revenir. C'est pas vrai. Fais la photo avec Tchoubo là. Il a joué avec nous là. Fais la photo. Allez. Si
sincèrement, la partie médicale de club, j'avais toujours une bonne relation avec les docteurs, avec tous, pour bien passer les périodes, que ce n'est pas facile pour les joueurs. Ce n'est pas facile même pour les, je pense, pour les physios, le docteur, parce qu'il veut que tu viennes, que tu reviennes le plus vite possible, et que tu puisses garder bien la blessure. Alors, c'est bien de créer, tu sais, une bonne connexion avec tous, positif, et nous avons très bien passé. Nous rigolait aussi, dans le moment avant de travailler, après, nous parlait un peu de beaucoup de choses. Pas seulement de sinon que ces visions libéraient un peu la tête, travailler, concentrer, mais aussi parler, essayer de parler de choses, même pour connaître encore plus les autres personnes. Je suis content. Tout pouvoir, entre moi, je suis content de revenir, de savoir que c'est proche, comment se dit, c'est proche, le retour. Le retour.